Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Des chouquettes. Voilà. Alors, dans notre casserole, on a du lait, du beurre, très très dur à trouver en ce moment le beurre, du sucre. On va faire fondre tout ça. En attendant, j'ai pesé ma farine et j'ai mis de côté mes œufs. On va faire une coupure et on se retrouve. Ça y est, le beurre a fondu. Voilà. On rajoute la farine. Alors, je vais attendre un petit peu. Tant que... Donc ça bout, ça bout, ça bout. Et ça prend du temps? Oh, ça va bientôt. On voit, regarde, ça commence à mousser. Ouais. On va faire... Première partie et demain la deuxième partie, quand ça sera la cuisson. Ça y est, on y va, on ajoute notre farine. On mélange. Et c'est plus dur là, non? Ouais, ça fait une pâte. Hein. C'est lourd? Non, c'est pas lourd, mais regarde, c'est une pâte. Ouais. Hop, et on va faire dessécher cette pâte. Qui fait que nos chouquettes vont super bien monter. On remet sur Et c'est avec l'air que... Oui, c'est ça. Avec l'air que ça gonfle. Là, hop, je dessèche. On va faire une coupure et on se retrouve. Et on va rajouter les œufs. Voilà, là on a bien notre petite pâte. Notre boule qui a bien desséché, on va rajouter les œufs un par un, surtout. Et on va mélanger énergiquement. Au début, c'est un peu compliqué. Et ça prend du temps? Un petit peu, oui. Il faut bien incorporer l'œuf avant de rajouter un autre. Ça sent bon, là. Encore meilleur quand on va les faire cuire. Ah oui. Et quand on va les faire cuire, ça sera la partie 2. Et ça sera demain. Parce que c'est les chouquettes pour demain. Ils sont trop bons. Ah, voilà. Mon œuf est incorporé. Je vais pouvoir en rajouter un deuxième. Ah, on fait les muscles, hein. Ouais. Et je vais faire une coupure dès qu'on sera arrivé au dernier. À tout de suite. Ça y est, c'est le dernier œuf. On dirait mais la purée, mais super jaune. C'est bizarre. Je sais pas, ça ressemble à rien là. Musclé. Ah oui. Deux à main là. T'auras mal au bras. Et est-ce que si on colle sur un mur, ça reste collé? Je pense oui que là, oui, ça reste collé. Ah bon? Oui. C'est normal, c'est fait pour. Enfin, c'est pas fait pour une mettre sur, sur les murs quand même. Hein. Ah non, mais. Voilà, on y est presque. Ah. Alors, on va pouvoir vérifier si elle est bien. Parce que normalement, on doit avoir ce qu'on appelle un bec. Un bec? Ouais. Je vais te montrer. Tu dois faire un bec? Non. C'est quoi un bec? En fait, on prend la pâte, ouais. On fait comme ça, et le fait. Elle doit. Voilà, qu'elle fait ça. Oui. Hop, tu vois, on a un petit bec là. Donc ça veut dire que notre pâte, elle est impeccable. Ah. Elle est très bien et parfaite. Et il n'y aura plus qu'à les faire cuire. Bah, du coup, c'est cette fin de cette vidéo. Je vais vous dire, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Bye bye. Bye bye.